Yo tout le monde, c'est Squeezie, aujourd'hui on se trouve sur The Barbershop, un jeu dans lequel on va tailler des barbes. Voilà, finalement ce qu'on rêve de faire depuis 8 ans. Mais on peut pas, puisqu'on n'est pas viril. Allez, c'est parti, nouvelle partie. Bonjour, nous sommes ouverts. On va raser cet homme là-bas, on le voit, regardez-le. Et à sa place, j'aurais peur. J'aurais vraiment peur de saigner de partout. Putain, je rêverais de faire ça. Juste ça comme ça là. Et de voir des poils aussi longs tomber de mon visage. Je suis un peu chelou dans ma vie. Ah oui, on fait tout. Oh putain, j'ai perdu 5 dollars parce que je lui ai fait une entaille dans le sourcil. Je te refais une entaille, bâtard. Comme les wesh dans le métro. Tiens, toi t'es le chef des métros, toi, je te fais plein d'entailles. Allez, moi 5 dollars, j'adore. On va juste lui laisser le... Non. Voilà, il fallait faire cette blague, on l'a fait. Voilà, on oublie, on met un dislike et on passe à autre chose, ok. On a la tête on a la tête du mec en bas à droite, effectivement, là. On voit un peu la... la taille de barbe qu'il veut. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Finish. Allez, on y va. C'était parfait, hein. Il me note, le mec. Vraiment, il me juge. On vient de gagner 50 dollars en 2 minutes. Voilà. C'est-à-dire que le mec achète une gondeuse Babyliss, il se fait ça chez lui, il économise déjà 30 euros. Continuez. Allez. Ah, des barbes ont besoin d'équipement spécial. Ah, vite, on peut acheter des équipements. Oui, j'achète. Ok, on peut changer maintenant. J'ai un rasoir et je peux lui couper le... Oh, le talent! Attendez, on va lui laisser les rouflaquettes. Les bonnes rouflafla pour les intimes. Là, il est bien stylé. Voilà, il peut pécho zéro meuf. Non, on va lui faire le truc le plus sale que j'ai vu. Et attendez, je vois ça des fois dans ma vie. C'est des gens qui ont juste... Voilà. Ils oublient de se raser sur 1 cm carré de leur visage. C'est ultra moche. Oh, 85 dollars. Le mec, pour 3 euros, il avait des rasoirs jetables à Intermarché. Mais non! Non, il préfère payer 85 dollars. Allez, merci. Il revoit la même chose, en fait. Il revoit tout pareil, on est d'accord? Bah, easy, hein. Allez, on y va. Cette fois, on y va cash, hein. On perd pas de temps. C'est... c'est comme, ça déchire. Oh, attendez, il veut un truc compliqué. Il fait chier, le mec. Si tu me payes 80 dollars pour te faire un rasage à blanc, là, tu vas me payer une petite fortune, hein, je te le dis. On va te faire ton petit bouc. Voilà, le bouc est présent. Non, je lui ai fait un truc dégueu. Il me fait pas chier, moi, je vous le dis, hein. Regardez, il a un petit bouc, là. Oh, c'est dégueu, ce qu'on lui a fait. Oh, il a kiffé. Ah, comme, allez. Allez. Putain, oh, le poil rebelle de ouf. Je te coupe, je m'en bats les steaks. Mais allez, poil rebelle là, voilà, voilà, poil robin. Oh, elle est belle. Ah, comme. Ah, la vache. Allez, c'était nul, on passe à autre chose. Encore un blanc, non mec, j'en ai marre quoi. Fini, c'est bon, stop. Mais on l'a déjà fait ça, on doit le refaire, c'est infernal. À la fin, on s'ennuie, on va même dans le nez avec la tondeuse. Allez, give me my money, suivant. Là, il veut quoi? The go, j'en ai marre. Oh, il est beau là. Alors là, on fait un beau bouc, mon gars. Et je parle pas de l'animal. Attendez, c'est carrément bien ce qu'on lui a fait. C'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Ah, comme al dente. Je vais faire une barbe al dente. Des barbes. Ah, mais là, regardez. Non, il y a ces blancs sur le côté rasé. Ok, ok, ok. Voilà, c'est fini. Allez. Allez, allez, allez. On va tout défoncer. F. Pourquoi F? Oh là là, c'est pas ce qu'il veut, le mec, quoi. Je dois toujours lui faire la même chose. Il y a un bug là, mon gars. Faut arrêter. Si je fais rien, est-ce qu'il me paie quand même? Non. Il va pas me payer. Il me paye le con. C'est vraiment bouclé, oh putain. Oh, oh, une nouvelle barbe. Ce Zappa, Martin Miller. C'est pour toi, Miller. Je parle de Mac. Mac Miller. Ah, je me suis coincé le doigt, putain. On m'a puni pour cette vanne beaucoup trop longue. Alors là, il veut un truc tellement stylé, mais tellement dur à faire. Regardez, lui, il me fait chier, cette mèche rebelle là, auprès de l'oreille. Alors là, on lui a fait... Alors là, mon gars, regarde en bas à droite, attention. C'est pile ce qu'il voulait. C'est pile... Ah non, c'est un peu long. Ok, j'ai tout niqué. Mais fais chier, j'ai paniqué même. J'ai tout niqué, j'ai pique-niqué. The War, faut tout raser là. Ah non, merde, c'est pas rasé, c'est tondu. J'adore ce jeu. C'est-à-dire que finalement, là, on est en train d'exercer le travail qu'un mec exerce dans la vraie vie et qu'on n'est pas payé. Oh, ma vanne a été géniale. Alors là, on s'est drôlement amusé. Hein. Finish. Tu me dois moins 100 dollars, mec. Hein. Là, c'était dur. Hein. Ok, 100 dollars ou un grec. Oh, attention, attention, là, il y a la grosse moustache du patron à faire. Ça, c'est le chef de la mafia, généralement, qui a cette moustache-là. Faut pas la foirer, mon gars. La précision. Ouh là là, mais quel homme précis. Quel homme circoncis. Non, c'est faux. On est bon. Pensez qu'il est circoncis, lui. Peut-être, hein. T'as le mec qui a un délire sur les gens circoncis, quoi. Quel est le fuck? Vous êtes circoncis, vous? On va arrêter ça tout de suite. Oh là là, on lui a fait un truc tellement génial. Là, il rachète le salon, là, tellement il est fier de nous, hein. D comme défibrillateur? Parce que mon cœur a arrêté de battre quand j'ai vu que tu m'as donné que 75 dollars pour la moustache du patron de la mafia. Oh, on a Nick Ellis, le directeur. Alors là, mon gars, on a la moustache de Dali à faire, hein. Attends, mais il manque des instruments, non? Pour allonger la... C'est pas assez long, son truc. Comment on allonge sa moustache? Oh non, j'ai mis un coup de rasoir. Regardez, je lui ai fait un vieux poil nul qui... Comment j'ai fait ce poil nul, là? Généralement, c'est les poils qu'il y a sur les grains de beauté qui ressortent de la peau. Vous savez, les poireaux, on appelle ça. Un truc bien dégueu. Lui, il a ça, mais c'est relié à rien. Voilà, bon, je retire. Voilà, je suis quand même aimable envers mon client plus fidèle. Ah, on peut tourner! On peut tourner, on peut incliner la tondeuse. Voilà, j'apprends ça au bout de 20 ans de carrière. C'est bien, bravo Lucas Auchard. What? Regarde ce qu'il faut lui faire, mec. Il faut lui faire une barbe mal rasée. Mais un peu bien rasée quand même. Ok, on part sur le rasoir petite lame. Et là, on va faire 1 sur 2.
C'est beau ce qui se passe. Putain, regardez, on l'a fait parfaitement. Mal rasé, bien rasé. Mal rasé, ah. Oh, bien rasé, tout lisse. Et ce, sur tout le visage à 360 degrés. Là, attention, il va nous payer au moins 100$. 50$, mec. Je te comprends plus. The Groucho. Oh, pas mal. Et merde, cette petite rouflaquette, elle m'énerve. Je vais le planter. Mais regardez, yeah, la rouflaquette, elle a été entraînée par Thor et Superman, sans déconner, voilà. Ta meilleure amie. Hop. Allez, allez, allez. Putain, mais Batman l'a entraîné là. Allez. Non mais mec, c'est incroyable mon gars, c'est un... Je n'arrive pas à virer ce... Putain, mais bordel de... Mais putain de merde. Oh l'Arthur, on les a tous éliminés. Des poils de barbe sans pitié. Et maintenant, on a ce freestyle nul. Oui bah voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo sur The Barber Shop. Un jeu sympa hein, même si ça en a moyennement l'air. Non il est cool, mais crois-moi Théo, arrête. Valentin, arrête. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à aimer la vidéo comme d'habitude. Et bah j'ai pris du plaisir, voilà, à être dans les années 70 ou 80 ou 60, bref à être dans les années, et à tailler la barbe de ce mec sur une musique un peu old school, c'était cool. Merci d'avoir regardé, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt, ciao tout le monde, peace.